Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation de rentrée. Et mes cheveux, ils ont décidé d'être belles aujourd'hui. Oui, j'ai enfin me lancé dans la préparation de cette rentrée un peu particulière pour moi, puisque vous le savez, je rentre en bas de niveau en fait, en tant que remplaçante. Et du coup, je vous avoue que j'ai vraiment bien déconnecté pendant les vacances, mais là je vais m'y remettre tout doucement et puis après je bosserai à fond au fur et à mesure de mon adaptation, je pense, pendant ce début d'année. Mais déjà, pour me remettre dans le move, parce que je pense que vous êtes comme moi un peu dans le déni de cette rentrée des classes, et comme je vous ai promis un petit peu plus de vidéos sur YouTube cette semaine, la pré-rentrée, j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous la décoration de mon planner. Oui, mon fameux planner de professeur des écoles. Donc je vais un petit peu le customiser, je vais aussi un petit peu mettre en place mon fameux agenda. Du coup, je vais aussi un petit peu remplir celui-ci, et j'hésitais à prendre celui-ci, hein. Je vous en ai parlé dans une vidéo, puisqu'il est plus petit, il est portatif, du coup je pourrais le remplir dans les classes. Donc j'hésite encore, vraiment je ne sais pas encore comment je vais m'organiser et c'est ça qui est le plus difficile. Donc je vais y réfléchir aujourd'hui, vraiment je vais me poser pour le faire. Je vais utiliser un petit peu toute ma papeterie, je vais essayer de ranger mon bureau histoire de pouvoir se positionner ici et faire ça bien. Mais en tout cas aujourd'hui j'ai envie d'utiliser du coup mes nouveautés que j'ai reçues de la marque Edding, comme ça. Les fameux highlighters, donc les crayons, les surligneurs, voilà, chercher, qui sont écologiques puisqu'ils sont rechargeables. J'ai le petit tube là pour les recharger quand ils sont vides. Et ça, c'est cool. Ça se présente comme ça, hein, pour recharger. Vous mettez votre crayon, votre feutre, hein, une espèce de feutre à l'intérieur. Il y a un petit embout tout petit comme ça. Et ça permet de le recharger. Donc, c'est vraiment cool. J'ai la couleur mint. Donc, ça, je vais les utiliser. Je vais utiliser aussi les petits feutres comme ça qui ont l'air trop canon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les feutres pour faire des petites customisations. Évidemment, je vais aussi utiliser des stickers. Donc là, ce sont les feutres Color Happy. Il y en a 20 à l'intérieur. Et c'est dans une espèce de petite boîte comme ça qui permet de pouvoir les laisser directement debout. Et ça, c'est cool. On a en plus pas mal de couleurs dedans. Regardez à quoi elle ressemble, la petite boîte. Elle est canon, non? C'est trop sympa. Et quand vous ouvrez, du coup, c'est divisé en deux parties. Les couleurs chaudes d'un côté, les couleurs froides de l'autre. Et on a un petit séparateur. Ah, c'est trop bien. Attendez, hop. Je vous montre. Et le petit séparateur, on dirait qu'on peut mettre à l'intérieur... Ah ouais, c'est trop bien. Vous pouvez mixer les couleurs pour faire des effets un peu de lumière, des dégradés et tout. C'est trop canon. Donc ça, on va tester tranquillement. Ça va être trop bien. Bref, aujourd'hui, ça va être en mode, dès que mes enfants vont dormir, ça va être en mode papeterie, décoration et tout ça. Ça va être trop cool. Et j'ai reçu aussi de la part d'Edding, je vous montre, mais je sais pas si je vais les utiliser aujourd'hui. Je voudrais les utiliser en classe. Si j'avais encore ma classe, honnêtement, je les aurais utilisés parce que ça me fait trop envie. Et même pour la période de Noël, je pense qu'on les utilisera sur les fenêtres. C'est des feutres, des marqueurs spécialement destinés aux fenêtres. Les glass markers, comme ça, toujours de chez Edding. Et vous pouvez dessiner donc ce que vous voulez sur vos fenêtres, colorier. Et en fait, ça s'efface en 2-2. C'est hyper rapide à effacer. J'ai vu pas mal d'Instagram, d'Instagrammeuses le faire, de maîtresses sur Instagram. Et du coup, ça me donnait trop envie. Donc c'est encre à faible odeur, hein, je vous précise, qui se nettoie facilement sur toutes les surfaces en verre. Donc voilà, ça on testera aussi. Alors, on peut tester sur un verre par exemple, pour vous montrer un petit peu. Si je ne veux pas tout de suite faire sur mes carreaux, je peux faire sur un verre à décorer, un verre de rentrée ou une tasse. Pourquoi pas, parce que j'ai une tasse abîmée. Pourquoi pas tester et faire un petit truc sympa. Ça peut être une idée pour aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui, pour reprendre un petit peu la route de l'école et reprendre le cheminement dans ma tête en tant que remplaçante, on va commencer par ça. Je pense que je vous ferai une autre vidéo organisation un petit peu plus précise pour ma classe ou mes prochaines classes. Quoi faire quand on est remplaçante, mon cartable de remplaçante, ça aussi je pense que je vais vous le faire cette semaine parce que j'ai pas mal de petites choses à emmener. Je vais aussi préparer des petites choses sur mon iPad. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une préparation de rentrée, organisation de maîtresse, de remplaçante, et puis un petit peu de plaisir en décorant ces planeurs et se remettre tout doucement dedans. Sur ce, je vous laisse avec la décoration de planeur et on se retrouve après pour papoter un petit peu du reste de mon organisation. Je vous retrouve dans le bureau tout en haut, le bureau de mon mari est juste derrière. Et comme vous pouvez constater ici, il y a des palettes à moi que je dois vendre. J'ai encore plein de make-up à vendre. Aujourd'hui, je suis en mode en plus vintage, Harry Potter. Et demain, je pense que je mettrai tout ce qui est beauté avec ma maman. Elle est là, donc elle va pouvoir m'aider un petit peu à m'organiser. Mais
avant d'aller customiser mon planeur de maîtresse, j'avais envie d'ouvrir ce petit colis qui attend depuis quelques jours. Et pour m'organiser pour la rentrée, j'avais plus envie, j'ai plus trop envie en fait de regarder sur mon téléphone l'heure, de pouvoir m'organiser de façon vraiment beaucoup plus méthodique. Et du coup, j'ai reçu deux montres connectées pour m'organiser au mieux pour cette rentrée. C'est pas trop génial ? Cette partie de la vidéo est en collaboration, donc j'avais envie de vous le préciser évidemment. Donc je suis rémunérée pour vous parler de ces deux montres et je suis trop contente de les découvrir avec vous. Donc il s'agit de deux montres de la marque Pansonver. Donc là vraiment je vous montre les emballages reçus dans un tout petit colis. C'est des montres que vous pouvez avoir sur Amazon. Et d'ailleurs j'ai un super code promo de fou pour vous. Donc si ça en vaut le coup, je vais vous le dire assez rapidement, mais en tout cas là je vais juste les ouvrir. J'ai deux modèles différents. J'ai demandé un modèle rose et un modèle noir pour pouvoir avoir un peu selon mes tenues. J'aime bien avoir du rose, mais j'aime bien avoir aussi du noir pour aller avec tout le reste. Donc là, aujourd'hui, vous voyez, je suis en vert. Donc je pense que je vais commencer par la noire. Allez, je vous mettrai à chaque fois les visuels des montres pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble et le prix de base. Et avec le code promo que la marque m'a donné, vous pouvez ainsi obtenir cette montre avec moins 50%. Donc c'est quand même un truc de fou, surtout si ça en vaut le coup. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ça. Donc c'est pas un packaging de folie, hein, mais vous avez la montre et les accessoires avec, la petite notice pour vous indiquer comment la connecter avec votre téléphone, puisque oui, je sais plus si je l'ai dit, mais ce sont des montres connectées, et donc c'est vraiment sympa. Et donc la noire, elle est super grande, je la voyais pas si grande, dis donc, elle est canon, hein. Vous avez le petit fil ici protégé pour la charger, et la voici, donc je vous la montre, elle est plutôt pas mal, comme ça le design est bien, un joli mat, et vous avez la petite protection que j'ai enlevée. L'application c'est Very Fit, donc il va falloir que j'aille voir, elle est évidemment tactile, regardez, il y a même le petit truc là pour scanner sur votre téléphone et pouvoir tout connecter, donc c'est parfait. Deuxième unboxing de la deuxième montre, cette fois-ci la rose, comme ça je vous la montre et après je l'ai fait fonctionner tranquillement. C'est, alors je sais pas d'ailleurs si je peux alterner du coup les deux, les utiliser les deux sur, je pense que sur l'application ça doit être possible. Évidemment je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Celle-ci elle est un petit peu plus calée, la rose, au niveau du packaging c'est un petit peu plus protégé. Il y avait d'ailleurs le petit cellophane autour de protection, et à l'intérieur vous avez un petit cache transparent, vous voyez, hop, comme ça. Sinon après ça se présente pareil, vous avez la notice, la montre et le câble ici. Donc la voici, pareil, elle est grosse, je la voyais pas si grosse, mais c'est cool parce que c'est pas du tout le style de montre que j'ai déjà. Donc regardez, elle est vraiment canon, vraiment je vois que la quali est pas mal du tout. Donc après je vais voir les utilisations, mais sachez que vous pouvez faire plein de choses avec, elles sont juste très performantes. Donc on va aussi enlever la petite protection, qui adore faire ça. Hop. D'ailleurs là il y a aussi une protection derrière au niveau de l'endroit où on charge la montre. Il y en a même une double. Waouh, c'est trop bien protégé. Il y a une double protection. Paf. J'aime trop le design. Écoutez, j'ai trop hâte de les utiliser. En plus, la rose, elle est un petit peu nude comme ça. Elle sera très bien aussi pour aller avec des jolies manicures et tout. Ça va être très sympa. Et là, ça me dit quelle langue choisir. Et avec, après, le petit flash code pour pouvoir la connecter à mon téléphone. Écoutez, je suis trop contente. Sachez que dans celle-ci, vous avez Alexa qui est intégrée. Donc c'est une montre intelligente à laquelle vous pouvez parler, régler vos alarmes, vérifier la météo aussi. Vous pouvez aussi vérifier vos données de santé, le nombre de pas que vous avez fait, etc. Et c'est ça qui est quand même pas mal pratique. Donc elle se connecte évidemment à votre téléphone, hein, pour une montre encore plus intelligente. Et vous pouvez recevoir toutes les notifications qui sont sur votre téléphone, Facebook, Instagram, les SMS. Je ne sais pas si vous pouvez voir les appels, ça il faudra vérifier. Mais en tout cas, vous aurez toutes vos applications à l'intérieur, toutes les notifications. Donc ça peut être pratique quand vous êtes occupé et que vous ne voulez pas prendre votre téléphone, mais juste voir sur votre montre, ça peut être vraiment cool. Sachez que cette montre, elle peut surveiller aussi votre rythme cardiaque. Voilà, cherchez le mot. Elle a plusieurs modes et ça permet de vous surveiller même pendant votre sommeil. Donc si vous la gardez pour dormir, elle va surveiller aussi votre sommeil. Donc c'est vraiment bien. Si vous faites du sport, elle va aussi vous accompagner lors de vos séances de sport. Donc maintenant que je marche beaucoup, je vous montre ça sur Instagram d'ailleurs, quand je marche et tout, bah, je vais pouvoir calculer avec ça le nombre de kilomètres et enregistrer dans les petites applications. Donc ça c'est vraiment pas mal. Elle met 2 heures à se charger et elle dure entre 7 à 10 jours.
Donc c'est vraiment bien. C'est-à-dire pendant une semaine, vous n'êtes pas obligé de la charger. Et si elle est en veille les trois quarts du temps, elle dure 30 jours de charge. Donc c'est après, elle marche avec tous les smartphones, Samsung, iPhone, Huawei, ça se dit, je crois, etc. Donc ça marche avec Android et Apple. Donc je voulais vous préciser tout ça. Celle-ci, elle a un écran un petit peu plus grand, hein, vous le constatez. Donc c'est pareil, c'est une montre intelligente qui se connecte à votre téléphone. C'est exactement les mêmes styles d'application, mais vous n'avez pas la fonction Alexa qui permet de parler à votre montre. Donc là, il n'y a pas sur celle-ci, sachez-le. Mais elle est quand même connectée à toutes vos applications, que ce soit Instagram, Facebook, etc. Ça aussi, c'est connecté. L'écran est HD et un petit peu plus grand, j'ai l'impression, que l'autre. Elle s'est accrochée à mes cheveux. C'est un écran aussi personnalisable. Donc je pense qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre, vous savez, des petits fonds d'écran un peu sympas. Justement, il y a plus de 100 styles de cadrans à l'intérieur pour avoir des styles sympathiques et à votre goût. Donc ça, c'est cool. Pareil, elle fonctionne pour tout ce qui est sport, votre rythme cardiaque, pour la nuit. Voilà, ça fonctionne aussi. Elle a, elle aussi, une durée, enfin une charge de 7 à 10 jours et 30 jours si vous restez en veille. Et elle prend aussi 2 heures à se charger. Elle fonctionne aussi avec tout type de téléphone, de smartphone. Donc c'est quasiment les mêmes modèles, sauf que la noire, elle a la fonction Alexa. Et ça, j'ai vraiment hâte de tester. Je pense que d'ailleurs, je vais commencer par la noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, je vous fais un retour dans les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, restez connectés. Hein, mais je vous fais un retour dans les prochaines vidéos pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, si ça en vaut la peine. Mais le code promo de moins 50%, je trouve que ça en vaut la peine parce qu'elle est quand même à moins 50%. Et si vous êtes déçu, vous savez qu'avec Amazon, c'est assez facile de pouvoir renvoyer. Donc, écoutez. Moi, je vais la tester tout de suite. On va voir ce que ça donne. Mais d'ailleurs, j'ai mon téléphone ici. Donc, on va scanner. Hop là, allez, ça m'ouvre l'appli, hop, vous voyez, paf. Donc, obtenir l'application Very Fit, donc écoutez, on va la télécharger, hein, ça prend 2 secondes. C'est évidemment gratuit, hein, c'est une application gratuite. Ça m'a demandé si je voulais jumeler avec la montre, donc j'ai accepté le fait que ce soit jumelé. Ça va permettre de connecter les deux ensemble, hein, mon téléphone et ma nouvelle montre. Donc c'est assez rapide, hein, ça se fait instinctivement avec les applications. Et maintenant, je vais pouvoir compléter du coup toute l'application, pouvoir faire tout ça. Donc, est-ce que ça veut activer tout ce qui est santé, on va tout activer. Là, je ne sais pas si vous voyez, ça a tout de suite détecté ma montre. Donc, j'ai juste à cliquer vu que ça s'est jumelé. Donc, c'est parfait. Maintenant, je les mets bien à côté et c'est en train de se connecter. Donc, jumelé encore une fois. Succès ! Ça a l'air d'avoir marché. Fin ! Trop bien. Là, ça me demande après des informations sur mon pays. Donc, je suis en France. Je vais remplir toutes mes coordonnées et tester ça tranquillement. Oh, j'aime bien celui-là. En tout cas, vous en avez plein. Hein. Oh, mais il y a celui-là aussi. Ils sont tous trop beaux. Bon, bref. Il y en a plein. Il y a plein de choix différents. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, il va falloir que je règle. Il y a Alexa. Hein, vous voyez, là, ici. Je sais pas si... Vous voyez, ici, il y a Alexa que je vais pouvoir régler aussi. Hop. Donc, je veux bien ma météo à Lille. Et voilà, là ça fonctionne, il fait 18 degrés, partiellement couvert. Bon écoutez, c'est pas mal ça. Quand vous l'avez allumé, vous avez le fond d'écran, en plus après vous avez du côté gauche tout ce qui est santé. On a après toutes les notifications via Alexa ici, en haut je pense que c'est toutes les applications. Donc comme ça vous voyez bien toutes les applications. Et hop, et en bas, qu'est-ce que c'est en bas, je ne sais pas. Ah oui, là, c'est tous mes mails et mes SMS, etc. Que vous pouvez effacer, d'ailleurs, si vous en avez trop, que ça, vous avez déjà vu, que vous ne voulez pas voir. Par exemple, hop, celui-ci, hop, c'est bon. Je peux cliquer aussi dessus pour avoir accès à mon mail en entier. Ça, c'est pas mal. Et voilà ce que ça donne à mon poignet. C'est pas trop mal, hein. Bon, c'est pas d'habitude ce poignet-là, je la porte d'habitude de ce côté-là, mais là j'ai ma tendinite, donc pour l'instant ça va être de ce côté-là. Mais au niveau de la taille, finalement, c'est pas mal. Alors elle est féminine et pour les garçons aussi, hein, tout à fait, je veux dire, elle est tout à fait mixte, il n'y a pas de préférence, hein. Au niveau du format, ça va aux deux. Thank you.
Je vous retrouve après avoir un petit peu customisé mon planeur. Pour l'instant, j'ai que customisé. Attention, ça va tomber. J'ai que customisé le grand planeur, là, comme ça, de Mais que fait la maîtresse. Parce que je pense que celui-ci, en fait, je vais le préparer et le garder pour la maison. Je ne vais pas l'emmener à chaque fois dans mon cartable. Enfin, ça va être trop lourd à porter à chaque fois pendant l'année. Et comme je ne sais pas exactement où est-ce que je vais être et que j'ai demandé logiquement des remplacements courts, j'ai pas envie de me le trimballer à chaque fois. Mais je me suis dit que cette année, j'allais prendre l'agenda planner comme ça pour avoir dans mon sac. Comme ça, je vais pouvoir noter en fait au fur et à mesure des journées. Par exemple, imaginons, je sais pas moi, le 4 septembre, je suis dans une école, paf, je vais pouvoir à chaque fois noter comme ça un peu ce que j'ai organisé pendant ma journée. Et après, je pense que je le ferai au propre pour avoir un cahier journal propre, correct, à présenter à l'inspectrice, mais avec aussi des notes, des choses comme ça. Mais là, ce sera la version papier. Je pense que je vais m'organiser comme ça. Et comme ça, cet agenda, je peux l'emmener partout, écrire dedans. Et ça sera, si c'est pas propre, c'est pas grave, ce sera le mien. Je pourrais mettre même mes rendez-vous personnels, des choses comme ça. Et celui-ci, ce sera vraiment que pour l'inspection, pour mettre au fur et à mesure mon cahier journal. Si je reste 2 semaines dans une classe, par exemple, bah, je ne l'écrirai pas spécialement dans celui-ci, mais j'écrirai directement sous forme de fiche, comme je faisais dans ma classe de CM2. Je pense que je vais faire ça. Pour cet agenda-là, je ne pense pas du coup que je vais l'utiliser parce que ça fait trop d'agenda, à un moment donné, je ne vais pas m'en sortir. Donc celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le glisser dans le concours des 15 000 abonnés sur Instagram. Et comme ça, je vous le ferai gagner. Et je vous donnerai une petite chance supplémentaire ici si vous me mettez dans les commentaires le mot rose gold. Puisque la particularité de ces nouveaux bullet agenda de Marina, hein, de l'édition Viver, c'est qu'elle a mis un petit peu de rose gold. Donc si vous mettez le petit mot rose gold, je vais même faire que gagner ici. Comme ça sera pour gâter une ou un qui regarde cette vidéo. Donc mettez-le dans les commentaires le mot rose gold et vous serez potentiellement la gagnante ou le gagnant de ce bullet agenda. Je le trouve trop canon, il est trop beau, j'aime beaucoup beaucoup, ça fait 3 ans que je l'ai, mais là je vais pas en utiliser 50, ce serait pas raisonnable. Il est tout à fait neuf, hein, donc ce sera pour vous, je pense que je vais faire ça comme ça. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous gâter. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'ai fait donc ma to-do list pour les remplacements. Je vous avoue que j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai pas trouvé grand chose comme to-do list de remplaçants. Ce serait peut-être des documents à avoir absolument à faire. En tout cas, avec l'expérience, j'essaierai d'en fabriquer un pour vous. En tout cas, dans ma to-do list, il faut que je regarde un petit peu ce qu'il faut pour l'inspection, pour tout ce qui est documents officiels de l'inspection à préparer avant mon inspection. Même si je ne connais pas la date, il va falloir que je commence à regarder un petit peu. Donc, il faut que je regarde ça. J'ai mis récolter des informations sur les écoles. Logiquement, mon inspection doit m'envoyer un document avec toutes les écoles de la Circo, avec, j'imagine, les adresses et les numéros de téléphone et les mails. Mais sinon, bah, j'essaierai de le faire moi-même si je n'ai pas ce papier-là. Mais je pense que ce sera le cas. Je vais voir ça à la rentrée, à l'après-rentrée. J'aimerais aussi faire un document. Donc, je ne sais pas si je fais encore sous forme de papier ou sous forme de sur mon iPad. Mais un document pour tout ce qui est horaire de l'école, nombre de classes. Et même si je peux essayer d'avoir, à chaque fois que je vais remplacer les noms par classe des élèves, par exemple, comme ça j'ai directement la liste des élèves dans mon petit carnet. Et comme ça, bah, au moins je suis opérationnelle si on m'appelle pour telle ou telle classe. Et peut-être les codes photocopie, les choses comme ça, important à avoir s'il y a des codes de photocopie dans les écoles. Mais surtout, en tout cas, les horaires de l'école pour être là à l'heure et évidemment savoir à quelle heure va être ma pause déjeuner. Peut-être aussi savoir s'il y a des APC, des choses comme ça. Bref, il va falloir que je me renseigne aussi. Tiens, je vais rajouter APC parce que je crois que je ne l'ai pas marqué APC et PAI. Ensuite, j'ai mis dans troisième point, préparer des progressions par niveau donc ou par cycle. Je vais voir comment ça peut se faire. Mais je vais peut-être me faire des progressions par cycle et dans ces progressions par cycle, mettre les niveaux à chaque fois. Comme ça, j'ai des bases de progression. Évidemment, dans les classes que je vais remplacer, il y aura sûrement des progressions et c'est là que je vais devoir piocher pendant l'année. Mais au cas où il n'y a pas ces informations, au cas où c'est un niveau que je ne connais pas trop, bah, au moins j'aurai mes progressions à moi qui pourront un petit peu me donner une ordre d'idée par rapport au programme de l'éducation nationale. Et pour finir, mon dernier point, me préparer des journées type
Que ce soit pour chaque niveau de classe, des journées type en petite section, des journées type en CP, des journées type en CM2, même si le CM2 c'est ce que je maîtrise un peu plus. Mais en tout cas, me préparer des journées type où, dès que je tomberai par exemple en CE1, paf, j'aurai une sorte de journée type avec des activités proposées que j'aurai préparées. Comme ça, j'arriverai avec un petit bagage et je ne serai pas en mode toute perdue, toute. Et si l'enseignant n'a rien préparé, ce qui peut arriver, hein, et ben, évidemment, j'aurai comme ça des activités à proposer. Voilà pour mes préparatifs de renseignant, du remplaçant, pardon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, si vous trouvez ça à peu près correct, si vous avez d'autres idées pour moi, si vous avez déjà été en remplaçant. Je vais y arriver, hein, je fais un mix entre enseignant et remplaçant, renseignant, n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire vos conseils dans les commentaires, comme ça, ça m'aidera peut-être pour mes préparations. Et au moins, ça m'a mis un petit pied dedans, là, ça m'a motivé aujourd'hui, donc on va faire ça tout doucement. Et je pense que du coup, mon planeur là, de professeur des écoles, il va se compléter au fur et à mesure du mois de septembre, tranquillement. J'ai enlevé les pages du mois d'août parce que du coup, j'en ai pas du tout besoin. Donc, elles vont me servir à rien pour l'instant. Et celui-ci, il va rester donc à la maison. Au niveau des stickers utilisés, j'ai utilisé les petits stickers de la classe d'Elisa, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Les stickers de ma copine maîtresse, la maîtresse du colibri, je vais y arriver, j'avais un truc de mémoire, donc ces petits stickers là, même si les miens ils sont un petit peu tout tordus, mais je lui ai fait une nouvelle commande pour en avoir des nouveaux. Et j'ai utilisé les stickers aussi comme ça, les carnets de stickers Action, que j'ai trouvé chez Action il y a quelques temps maintenant, donc il y avait 4 carnets différents, et j'ai réutilisé les petits stickers que j'avais encore de cet agenda là en fait. Celui-ci, il y avait des stickers à l'intérieur que j'ai récupérés et donc je les ai utilisés. Je vous rappelle que dans celui-ci, il y a les stickers et je n'ai pas touché, évidemment, ils sont tout neufs. Ceux-là, ça fait partie des anciens que j'ai récupérés comme ça et je les réutilise pour ne pas les mettre à la poubelle. Donc voilà, je les ai utilisés du coup dans mon planeur. Finalement, j'ai pas trop dessiné et j'ai pas essayé de faire des petites créations avec ça, mais je vais peut-être les utiliser dans mon bullet journal parce que je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai un super beau bullet journal que j'avais... Que j'avais depuis quelques temps maintenant. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Parce que j'en ai plusieurs. Non, c'est pas celui-ci. Il est là. Voilà, hop. L'autre, c'est un bullet journal pour mes élèves que j'avais fait avec mes élèves. Donc, celui-ci, c'est le mien. J'avais fait des vidéos à ce sujet. Dedans, il y a des to-do list. J'ai des petits dessins comme ça. Celui-ci, je vous l'avais montré aussi en vidéo et sur Insta. Donc, je vais peut-être vous faire une page, de rentrée des classes ou quelque chose comme ça avec mes nouveaux feutres Edding. Si ça vous dit, n'hésitez pas, je vais réfléchir à ça. J'aurais peut-être pu faire ma to-do list de remplaçant dedans aussi. Hein. Bon, ma foi. Voilà pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo très très vite puisque je vous ai dit, cette semaine, il y aura plein de vidéos. Donc, restez connectés et abonnez-vous surtout. Sur ce, je vous fais des bisous. Salut !